Pendant une prédication à la Viva, Chiapacomari, dans le règne de l'esprit, avait été transporté dans la ville de Jacqueville, où il voyait quelqu'un qui y avait grandi et qui était sous la menace de la sorcellerie. Il s'agissait de Maman Marie Peretti. Dieu m'a donné les armes pour combattre. Hey! J'ai combattu et j'ai gagné. Alléluia. Oui. Une fois à l'assemblée, à l'enseignement, vous avez dit votre esprit vous envoie vers Jacqueville. Jacqueville, il y a quelqu'un, une qui a été élevée là-bas, son oncle, on lui a donné une maison. Voici les détails de la prophétie. L'esprit m'amène vers Jacqueville. The spirit is taking me to Jacqueville. Vers Jacqueville. A place called Jacqueville. Je ne sais pas si tu as grandi là-bas. I don't know if you grew up there. Ou bien celui qui t'a élevé, s'il a travaillé là-bas. Or the one that raised you, walked there. Ou si c'est votre village. Or your village, I don't know. Je suis en train d'aller vers Jacqueville. But I'm about to get there. Et je vois quelqu'un. But I can see someone qui a pris soin de toi. That took care of you. Je veux que tu viennes rapidement. I want to come forward quickly while I'm proclaiming this word. Qui a pris soin de toi. That took care of you. Et qui avait vraiment désiré que ses enfants réussissent plus que toi. And that really desired for his children to be rich. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. But today is not the case. Et malgré ce que tu fais pour lui, and despite what you do for il n'est jamais reconnaissant. Il n'est jamais reconnaissant. He has never been grateful. Je veux que Dieu, tu viennes pour que nous puissions casser ça sur toi. Parce qu'il veut t'attaquer en sorcellerie. Because he wants to attack you in witchcraft. Il veut t'oppresser en sorcellerie. He wants to oppress you in witchcraft. Et tu entends des choses, des critiques. And you hear in criticism. Et ça te fait mal. And it hurts you. Mais ce soir, Dieu révèle pour racheter. Tonight, the Lord... Papa, la parole que tu as donné tout à l'heure. Oui. Notre maman qui est ici dit effectivement que elle a grandi à chaque ville. Ok. Depuis très longtemps, oui. Les deux ne se parlaient pas, c'était tellement difficile. Okay. Mais il y a eu un semblant de réconciliation, on va dire. Mais aujourd'hui, son en question veut qu'elle soit chef de la famille. Parce que c'est un pouvoir de sorcellerie qu'on veut te donner. Bien qu'elle vienne, j'ai prié pour elle. Tu as un caractère dur de naissance. You have a hard character, hein? From your birth. Et puis tu as eu trop de blessures. And you have so ils ont regardé dans le monde spirituel. And watching the spiritual world. Et ils savent que on peut t'entraîner rapidement à la sorcellerie. That you can be carried easily into witch. Lève les yeux. Après, je te dis ce qu'il faut faire. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Maman. Et tu es en train de voir une partie de la maison qui est peinte en vert, mais avec la peinture à huile. C'est quelle partie de la maison ça? C'est la maison que je vais habiter. C'est la maison que tu vas habiter. Et pas comme le Seigneur. Parce que en esprit, Dieu m'a amené dans cette maison-là. Il faut qu'on fasse une opération de déminage. Hein? Elle est libre au nom de Jésus. En effet, après cet épisode, Maman Marie Peretti s'est rendue à Jacqueville et là, elle se rendra compte de la réalité du combat spirituel. Car comme l'avait averti Chiapacomari, ce qu'elle croyait être un cadeau familial était en réalité un piège pour l'initié. Donc quand je suis venue, papa a dit que c'était un piège, c'était un cadeau empoisonné. Parce que je pars à la retraite. Et mon oncle là m'a proposé, comme la maison est vide là-bas, viens, tu vas gérer les choses. J'étais très contente, oh, c'était un cadeau empoisonné. Et puis, le 8 janvier, j'ai pris mes soeurs, on allait les saluer, lui souhaiter les vœux, parce que c'est notre soeur père qui nous reste. Et arrivé là-bas, quand je suis assise, et puis il me regarde et puis il me dit, toi tu imposes ta religion aux gens. Tu aimes trop imposer ta religion aux gens. J'ai dit, mais comment ça? Dans là, au petit déjeuner là, tu aimes trop imposer ta religion aux gens. Quand je regarde tes soeurs, tu leur as imposé ta religion, toute ta famille. Et puis tu imposes. J'ai dit, mais c'est parce que ma religion là glorifie le vrai Dieu. Toi, ta religion, c'est quoi? Il dit, venez voir. C'est, il fait Amon-Ra. Je ne sais pas que c'était Amon-Ra. À quoi? Amon-Ra. Ah. Il a ramassé mes soeurs et puis il allait leur montrer le tableau. Et je suis allé m'arrêter au tableau. J'ai regardé le tableau. J'ai dit à mes soeurs, quittez-la. Plongeons-nous dans le sang de Jésus. Et puis tu ne l'en connais pas. J'envoie le feu. J'envoie le feu, papa. J'envoie le feu.
J'envoie le feu. J'envoie le feu au nom de Jésus. Je ne sais même pas ce que je disais. Ce qui est sur le feu est sorti. Et à un moment donné, il s'est levé, il a commencé à courir. Mais papa, c'est un grand type, hein. Et il courait et puis il disait à mes soeurs, bon, calmez-la. Quand elle va se calmer, je vais venir. Et puis il partait. J'ai dit, mais où tu vas? Dans la chambre. J'envoie le feu. J'ai regardé les masques là. J'ai dit, bon, vous les masques qui êtes versés là, vous êtes des objets d'art. Il n'y a pas un problème. Mais si jamais il y a un esprit parmi vous, j'envoie du kérosène. Et finalement, quand il allait me déposer, on a fini, il allait me déposer. Il dit, oui, t'as ta religion là. Si c'est pas à force que tu veux faire, moi je ne viendrai pas. J'ai dit, oh, c'est fait. En tant qu'enfant de Dieu, elle a démontré la manifestation de la puissance de Dieu par le feu de l'esprit qui s'est abattu sur ces objets mystiques que son oncle lui a présentés. Une seule autorité est établie sur nous, c'est l'autorité divine.